Eh bien le bonjour les amis, aujourd'hui c'est un grand jour les amis, il va pleuvoir, que dis-je, il va y avoir une météorite qui va s'écraser sur la terre, je fais une vidéo avec Mary Frozen Crystal. C'est moi. Enfin, comment tu vas Marie? Ça va très bien, écoute, et toi? Ça va, on se retrouve les amis, vous le savez très bien pourquoi, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons découvrir vos gâches à live, enfin, vos petites créations qui nous ont été dédiées, j'en ai sélectionné quelques-unes, et nous allons les découvrir ensemble, j'ai hâte. Je suis un perroquet pour l'instant. Voilà. Alors, on va découvrir la première histoire qui nous a été faite par Shimigashi, fanfiction pour Dooms et Marie. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles élèves. Ok, à ce que j'ai compris, on est à l'école. Non, c'est vrai? Ouais. Franchement, je suis pas sûre, mais je pense que ça se passe à l'école, tu vois. Et tu es magnifique, tu n'as pas de pantalon. Oui, c'est ce que je suis une petite chouin, ça m'étonne pas. C'est vrai que quand j'étais au collège lycée, je me baladais juste en petit pull. J'aimais bien montrer mes petites fesses, il n'y a pas de souci. Ok, je suis la petite chouin de service. Bonjour, moi c'est Dooms. C'est ton prénom, bien sûr. Voilà, c'est moi. C'est mon prénom. Oh mon dieu, Léandre est trop beau. Ah ouais, d'accord. Ah, je suis vraiment les gros chouins. Direct, j'arrive. La seule chose que je vois, c'est les mecs, quoi, tu vois. Ok. J'adore comment vous me définissez, tu vois. J'avoue. Waouh, va à ta place tout de suite. Waouh, je me fais engueuler. Ok. Et la deuxième nouvelle. C'est moi. Marie. Magnifique. T'as une petite jupe. Pourquoi moi, je suis à poil, tu vois. Et moi, l'autre, elle se casse. Voilà, c'est fini, je me casse, ciao. Bon. Okay. Ok. Alors, bon bah Marie, ok. Je suis la seule qui ne bénéficie pas d'une majuscule. Voilà, je tenais à dire ça. T'avoue, voilà. T'as pas... Ok, bon, c'est pas grave. Alors t'as Max et Léandre qui sont en train de discuter. Marie qui est en train de bronzer. Moi j'arrive. Ah, ils discutent bien. Blablabla. Ils ont une putain de conversation. Salut Marie. Alors attendez juste deux secondes, il y a mon chat qui fait ses griffes sur ma chaise. Au calme. Tranquille. Dis bonjour ma grosse Cindy. Mais dégage, allez hop. Allez. Salut Marie. Tu veux être mon amie? Je suis nouvelle. C'est trop direct. Et moi aussi. Non mais en fait, alors il faut savoir que c'est le genre de choses que j'ai déjà dit. Mais ça a remonté au CE2. J'étais nouvelle dans une classe, enfin j'avais redoublé donc du coup je connaissais personne. Et j'étais en rang avec une fille à côté de moi. Je l'ai regardée et en fait elle m'a dit tu veux être mon amie? J'ai fait ok, voilà. On est devenus amis comme ça. Donc en soi, ça peut arriver. Ah bah yeah, du coup on peut être amis, voilà. Ouais bah c'est nickel hein, t'as un crush direct, franchement direct, genre on peut être amis. Et t'as un crush ou pas à l'école? On vient d'arriver il y a 2 minutes. Ouais et toi? Oui, viens, on le dit en même temps. 3, 2, 1. Léandre. Léandre. Je t'ai fait une vieille liaison. La liaison qui n'existe pas. T'as vu nos têtes? Là, il y a quand même un souci. Hein. Ça pose un problème, là. What? Marie, Frozen Crystal, catcheuse depuis 1985. Je le savais, bien sûr. C'est mon métier. Dooms, alias Dooms, elle s'entraîne avec Edwing. Or, déjà, c'est Edwige. Edwink. Pourquoi? Je m'entraîne toujours à poil, j'ai envie de vous dire. Ah, moi, les vêtements, c'est surfait pour moi. Léandre est à moi. En fait, on va se défoncer la gueule. Ah oui. Alors, ok, on se bat. Je me bats avec Marie. Vous avez envie que je me batte? Baston. Putain, ils prennent des photos et tout, tu sais. Léandre est à... Mais on s'est vraiment arraché la gueule pour... Non, mais attendez, mais il nous a même pas parlé, le mec, on en parle ou pas? Déjà, oui. Mais grave, et d'où? Pourquoi vous nous imaginez nous battre? Marie et moi pour un mec? C'est ça, on se bat pour un mec. Les filles, je vous aime pas, hein. Ok. Oh, la tristesse. Ok. C'est pas une fin heureuse là. Là, c'est un petit peu la tristesse. Ah non mais total, j'aime Lila. Ok. Et nous on est en mode PLS par terre. La défaite totale. Non, c'est moi qui aime Lila. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et du coup c'est Léandre et Max qui vont se battre. Ok, d'accord. Ok. Magnifique. Franchement. Merci beaucoup Shibigashi. Elle était rigolote franchement. Elle était très rigolote celle-ci. Bon en fait Marie et moi, vu qu'on se batte toutes les deux pour un mec. Mais ça n'arrivera jamais, heureusement. J'espère bien. Attention. Deuxième fanfiction de Bungie Potatoes Chaga. Non, pas du tout. Gacha, je sais pas. Chat, merci, ici, là, je suis fatiguée, les amis. Bon, Marie, je vais te laisser, tu vas prendre la vidéo toute seule, d'accord, ok? Comment dire? Je n'ai pas signé pour ça. Le parc d'attractions. Marie et moi sommes amies depuis longtemps. On s'adore toutes les deux. Oh, là, c'est bien. Là, on est mignonnes. Là, on a nostalgie. Ah oui. On a fait plein de choses ensemble, on a nettoyé, tu m'as balancé une chaise. T'es sûre qu'on est amis? J'ai un doute. Moi, je balance pas des chaises à mes amis quand même. Hein. Ah. D'accord. Attends, t'étais en train de chanter. Ah, et moi, je me suis bourré la gueule, tu vois. Donc, en gros, j'ai roulé par terre. Oui. On était sûrement dans un bar et tout, on faisait un karaoké. Moi, bah, comme d'habitude, un peu trop de vin et je suis par terre. Ça paraît legit, hein. C'est vraiment un truc qu'on pourrait faire. Ouais, ça, c'est un truc qu'on pourrait faire. Oh, un nouveau parc d'attractions sur le thème horreur vient d'ouvrir. Et si je faisais une vidéo sur ce parc avec Marie? Marie adore l'horreur en plus. Ouais, ça se tient.
chien. C'est faux. C'est non, non, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi non, je mais t'aimes bien un petit peu le creepy. Oui, bien sûr, mais un parc d'attractions horreur. Moi, les SCP, je les vois pas, tu vois. Je les étudie, ils sont très loin. Ah, ok, c'est ça. Tu les étudies, mais de ton bureau, tu vois. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Bon, Marie qui bouffe un cookie. Magnifique. Je me demande ce qui se passe. Je tends mon téléphone. Salut, Doops. Allô, Riri. Ça te dirait d'aller dans le nouveau parc d'attractions? Un parc d'attractions sur le thème de l'horreur? Genre, j'ai deviné. Ouais. Allez, s'il te plaît. Bon, ok, d'accord. Cool, on s'y retrouve dans une heure. Ok, à tout à l'heure. J'ai une très grande maison, je tiens à dire. J'avoue que t'as une putain de maison et moi j'ai un putain de bureau. Ok, waouh. Désolée du retard. T'inquiète pas, Mariri. Pourquoi t'es toute petite par rapport c'est à moi? C'est exactement ce que j'allais dire. Si jamais, c'est l'inverse. Mais ouais, c'est ça en plus. C'est moi qui est largement plus petite, quoi. On y va. Waouh. Oula. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Dotiquet, s'il vous plaît. Ouais, très louche, cette dame, effectivement. Dooms, pourquoi c'est désert? Ça ne me rassure pas du tout. C'est normal aussi, le parc vient d'ouvrir, hein. T'inquiète, hein. T'as sans doute raison. En vrai, non, c'est censé être l'inverse. J'avoue, ma déduction est totalement nulle, quoi. Regarde cette maison dentée. Viens, on va faire ça, là. Je suis toute excitée, là, moi. Elle est déjà repartie dans son délire. Si tu veux. Oui. Il va nous arriver une couille, hein. Oh là là. Déjà, c'est un parc d'attractions, mais il n'y a pas d'attraction. Tu sais, tu marches. Bah, c'est ça, c'est les escaliers, c'est l'attraction, tu sais. Ah. Bof, le décor est pas terrible. C'était quoi, ce bruit? Je ne vois pas de quel bruit tu parles. What? T'es sûre de toi, là? Bon, ok, j'avoue que là. Mais c'est quoi ce truc, là, qui se dirige vers nous? Ah oui, j'avoue. Mais regarde, là. Toi, t'as peur. What the fuck? Je me bats. T'inquiète pas, Marie, je vais te protéger. What? Mais touche sur Hagen. Attends, j'ai sorti de mon fion ou quoi? Je sors un gun et tout, au calme. Regarde, même toi, tu te poses la question. Mais de ouf, pourquoi? Pourquoi j'ai un gun? Je l'ai eu dans une brocante. Mais c'est pas possible! On n'achète pas un flingue dans une brocante, les amis. C'est une brocante très particulière. What? Oh non, un clown. Oh non, attends, je vais avoir des clowns. Je crois que j'ai parlé trop vite. Je pensais qu'on était safe, mais non. Marie, bouge! Oh, je t'ai poussé. Oh putain, la victime. Comment tu bats, bolos? Ok, toi, t'es par terre, laisse tomber. Ah, putain, oh non! Oh non! Je suis emportée par le clown. Je peux pas partir sans elle. Je me vénère. On va s'en sortir. C'est quoi ce truc? J'avais pas souvenir que c'était ce chemin-là. Ouais, on n'est pas arrivé par là, quoi. Ah ouais, t'as des monstres. Faut que j'arrive à passer sans me faire repérer. C'est quoi ce poulpe chelou, là? Oh god, en mode affiche. What? Mais d'où t'as des lunettes? Moi aussi, je les ai eues dans une brocante. Marie, j'espère qu'elle va bien. Ne t'inquiète pas pour ton amie. Je vais me la faire après toi. What? Oh mon dieu. On est tombé dans un truc. Marie? Ah ouais, j'ai bravo. Fait un high kick retourné couché, là. Viens, on se casse. Riri, c'est quoi ces lunettes? Longue histoire. Oh, je l'avais oublié, celle-là. Stop. Dooms, il est où ton flingue? Je l'ai perdu. T'es pas sérieuse? Oh merde. Marie, dis à mon mec que je l'aime. Tu vois très bien que je peux pas, on va crever en même temps. C'est tellement ça. Non. Non, on va vraiment crever en plus. Non, regarde. C'était quoi ça? Aucune idée. On est où d'ailleurs? Je sais pas, mais vaut mieux garder ce qui vient de se passer pour nous. Ouais. Il s'est passé un truc très étrange là. What? Sora? C'est totalement normal. Sora qui descend du ciel, mais c'est n'importe quoi. Et là, il fait un clin d'œil. Genre, c'était de sa faute, en fait, c'était lui. Franchement, ça m'étonnerait même pas de sa part. C'est lui, il nous a fait une vieille blague et tout. Ok, c'est la fin de l'histoire. Ouais, elle était sympa, franchement. J'avoue. Elle était très rigolote. Fan fiction suivante, celle de Yoko 03 On, on va dire ça. Dooms Marie est mise à jour. Ok, très étrange le titre. Et on commence avec Sora. Quoi? Une nouvelle mise à jour? Ah putain, j'aimerais trop faire sa voix, mais je peux pas. C'est rien d'essuateur, j'arrive pas à faire sa voix. Voyons voir. Première mise à jour, possibilité d'incarner Senpai. Deuxième mise à jour, vous avez été le seul choisi. Vous essayez la version 0.1 de cette nouvelle mise à jour. Il a l'air un peu perplexe. Ouais, il est pas bien en fait. Je jouerai quand même. Quoi? Quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Donc des chocolats pour nous. Alors ça, c'est le personnage de Yandere Simitar et un cookie pour lui. Ok, ouais. Très bien. Pour que ça marche. Elles sont en train de faire un rituel, je crois. Bah ouais, hein, il faut qu'on se prenne dans les bras. Il y a Senpai. Ah non! On a la vue de l'écran de Sora en fait. C'est lui qui parle. Ah! Tu vois? Il commente en fait. Tu vois? En fait, là, c'est le jeu, tu vois. Là, c'est Yandere Simitar et celui qui parlait, c'était Sora en fait. C'est du jamais vu dans Yandere Simitar! Yokona et Ayano qui se font un câlin. Waouh! What the fuck? Tous les coups, Oka y est pour quelque chose. Oh, Oka, abonnez-vous, hein. Sur ce, les amis. En plus, y a sans doute trop. Sur ce, les amis, je vous fais d'énormes bisous. Et n'oubliez pas, une journée sans rire est une journée de perdu. Alors, souriez. C'était Maxime. Waouh! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas ce que vous croyez. Enfin, tu vas mourir un peu plus tôt. Flashback. Marie. Ah, c'est toi? On dirait que je suis dans la forme de Yandere-chan. Pourquoi je suis dans Yandere-chan? Genre, c'est moi, Ayano, là. Oh, ouais, t'es Ayano, en fait. En fait, on est dans le jeu, je crois. Ah! Ouais, t'es où? T'es dans le lycée de Yandere Simulator. Waouh! Oula, je me fais démonter la gueule en arrivant. Ça fait un peu mal pour un rêve. Tu ne mourras pas, Joséphine. Ah! Oui, Ayano, Joséphine, parce que sur Yandere Simulator, moi, j'appelais à la base. Le personnage principal n'avait pas de nom. Et donc, du coup, moi, je lui avais donné
un nom à la con, Joséphine. C'est pour ça que moi, c'est vraiment des abonnés qui me suivent depuis très longtemps. C'est pas le pseudo de Dooms? C'est moi qui dis ça. Ah, c'est toi? Petit personnage irrespectueux. Alors, c'est pas un rêve? Bah, c'est moi en fait. C'est toi? Bien sûr que non, c'est mon rêve. Dooms, c'est moi, Marie. Joséphine, je sais que tu tues des gens. Tu ne peux pas être la Sainte Marie. Sainte Marie. Wow. La Sainte Marie, mère de Jésus. Bien sûr, évidemment. Je devrais chercher Philibert. Il sait arrêter les psychopathes. Putain, Flabby, je suis Marie, la chaîne Marie Frozen Crystal. Non, mais sans blague, t'as cru que j'étais Marie. Marie, mère de Jésus. On est toutes les deux coincées dans ce jeu. Alors, c'est réel? Apparemment. Comment on a pu se retrouver dans ce merdier? J'en sais rien, peut-être que si on rejoint le club occulte, Oka pourra nous éclairer. T'as peut-être raison. Va savoir pourquoi, mais soit. Ouais, ok, au même moment. Et comme vous pouvez le voir, les amis, nous incarnons bien Senpai. D'accord. Je pense que le but de ce mode est de surprendre Ayano en train de tuer quelqu'un, afin de mettre fin à leur histoire d'amour. Et en même temps, si elle nous a, on a un peu perdu, mais d'abord, allons voir Oka. Je suis curieux de savoir comment Ayano réagit si l'on va voir une rivale. Et puis, personne ne peut battre Oka. J'ai pas pu résister. Oh putain, j'imagine trop sa tête. Oh, j'ai pas pu résister, ça y est, dans le simulateur. Ça suffit, j'appelle la police. Mais c'était pas volontaire. Regardez le message de mise à jour. Vous avez été le seul choisi pour essayer la version 0.1 spéciale de cette nouvelle mise à jour. Deux personnes de votre entourage au hasard seront transportées dans le jeu pendant 24 heures dès votre prochaine partie. Parce que c'est totalement possible. Bah oui. Totalement. Et en fait, c'est nous, on a été transportés. Tu as été plus... Ah non, c'est toi. Plus qu'imprudent et plus qu'irresponsable. Voyons, en plus, elle parle à ma place, l'autre. Je suis sincèrement désolée, Marie. Dooms, c'était pour le Harissa. Non mais, n'importe quoi. Laisse tomber, Flavie. Il ira signaler lui-même ce problème de mise à jour, bien sûr. Et en attendant, vous venez manger chez moi. Tu m'aides à cuisiner, Flavie. T'as l'air trop vénère, tu sais. Alors, Maxime, comment as-tu trouvé le repas? C'est pas toi qui parlais. Ah, c'est moi, pardon, qui lui demande. Alors, Maxime, attends, là, je suis de bonne humeur. Attends. Alors, Maxime, comment as-tu trouvé le repas? Je crois qu'il a pas aimé. Je savais que Flavie mettrait du piment. Tiens, un dessert, c'est pas piquant. Je te crois pas. C'est un cookie au chocolat. On va le tuer ou quoi? Ce sera un peu vénère quand même. Ah ouais? Oka te passe le bonjour. Ah, on l'a envoyé dans le jeu. Ah. Tu crois qu'il restera coincé longtemps? Sur la description du cookie, il était écrit 24 heures. 24 heures dans la peau de Cocona, il va prendre cher. Oh ah ah, c'est trop stylé. Ok, eh, franchement, elle était sympathique. J'avoue. Faut de l'imagination, tu vois. Transporter dans un jeu et tout. Ouais, franchement, bah... Bravo, bravo à toi. Et la dernière fanfiction, celle de Andive, une jolie petite Andive, hein. Fanfiction Marie et Dooms Gashalai mini movie, l'étrange jouet qui en effet est très laid. Ok. Très bien. Tu sais, est-ce que tu sens le what the fuck? Est-ce que tu te prépares? Pose ton cerveau sur le côté. Ah, il était déjà posé. Ok, c'est bon. Allez, ce matin là, je suis au téléphone. Salut Flavie, c'est Marie. C'était pour savoir si ça te dit de venir à la maison. Alex est pas là et Wilson aussi. Quoi? Genre mon chien s'est barré au boulot et tout. Wilson s'est dit. Bon bah Marie, je vais faire un tour. Salut, à tout à l'heure. Ok. C'est vrai. Oh merci, t'es la meilleure. Bon bah, tout à l'heure. Bon bah, je viens chez toi, meuf. Ok, apparemment, t'es la meilleure. C'est vraiment une super âme... J'arrive. Ah, je crois qu'on a toqué à ma porte. Ouais. Je me demande vraiment qui ça peut bien être. Bah, peu importe. C'est je glisse. Je marche pas, je glisse. Toi, tu glisses sur le sol. Salut, copine. Ah, j'aime bien ma tenue. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ça fait même pas une minute que je t'ai appelée. Ah, j'avoue, j'arrive vite. C'est grâce à ma nouvelle voiture. Ah, ça, c'est grâce à la YouTube Money en même temps. Normal, j'ai dû m'acheter une voiture oui. Où je me déplace en deux une secondes. Une voiture qui se téléporte. Ouais, clairement, carrément. Tu veux aller faire un tour? Oui. 15 minutes plus tard. Oh, on est en bagnole et tout. What? Ah non, on n'est pas en bagnole et tout. Alors, la voiture, elle brûle. Moi, je vomis un arc-en-ciel. J'ai défoncé la bagnole ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oups, je l'avais pas vu celui-là. Puis on a foncé dans un arbre, c'est absurde. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'on a fait. On a failli mourir, mon dieu, quelle horreur. Oui, excuse-moi, mais je me suis faite distraire par ce jouet trop laid, là. Il est trop mignon, qu'est-ce que tu racontes? Bah, j'avoue. C'est trop chou. Ah ouais, en effet, il est dégueulasse. Et tu rigoles. Ah bah, tu vois. On a pété la voiture. Ouais, t'as la voiture grave. Qui flambe à côté et nous, on est intéressés par un jouet, tu sais, on s'en bat les couilles, quoi. What the fuck? What the fuck? Je suis pas dégueulasse. Bah, t'es quoi, alors? Genre, moi, je m'en fous total, c'est, y a aucun problème. Ah, certes, qu'est-ce que c'est? Ok, qu'est-ce il nous a téléporté. Il y a beaucoup de téléportation pour l'instant. Ouais, ouais, franchement, on prend cher là. Je sais strictement pas où est-ce qu'on est. Vous êtes dans mon monde, car je viens de vous jeter une malédiction. Dis laquelle? La fameuse malédiction que je vous ai donnée est la suivante. De minute en minute, vous deviendrez de plus en plus laide. Oh, c'est pas gentil. Mais pour éviter ça, vous devez tuer quelqu'un avant minuit, sinon vous resterez laide. Mais c'est affreux! J'avoue, c'est ouf, c'est pas sympa! Putain, c'est abusé, je viens de perdre ma voiture et tout là, franchement. Voili voilou, sur ce, bonne journée. Ok, on vient de se prendre une putain de malédiction, faut qu'on tue quelqu'un. Je veux pas aussi. Bah je veux pas tuer quelqu'un, moi. Moi non plus. 10 minutes plus tard. Oh non.
J'assume pas ma gueule. Attends, est-ce qu'on peut arrêter quand même deux minutes et décrire ce qui se passe? Alors moi, j'ai une espèce de barbe qui m'est poussée, tu vois. Je sais pas si tu vois. Ouais, mais j'ai une barbe qui m'est poussée. Et j'ai un tout petit top là qui cache juste voilà ce qu'il faut cacher. Et j'ai une jupe. Voilà. Il y a pas de mots pour décrire cette jupe, je pense. Toi, on est sur une fusion avec un canard, je pense. Mm-hmm. Ouais, un ange canard dinosaure, mais ouais. Dégueulasse. Avec un palmier sur la tête. Et on sent que t'es fatiguée, tu vois. T'as les traits un peu marqués, tu vois. On est pas bien, tu vois. Ouais, donc faut qu'on bute quelqu'un, quoi. Ouais, non, mais attends, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Au point où on est, la première personne qu'on voit, on la tue. C'est absurde. Ok. On est pas bien, là. Faut qu'on bute quelqu'un. Oh non, qu'il ait mimi le chien, mais... Reviens. Bon, c'est maintenant ou rien, t'es prête? On pourrait quand même attendre une minute de plus et tuer quelqu'un d'autre, quoi. Oh bah oui, on aurait pu la prochaine personne, on le connaît. Sora. Ah non, toi tu gueules Sora et moi je gueule... Ah ok, et d'accord. On sort des couteaux de nos poches aussi, qu'on a eu en brocante, à mon avis. Non. Sora, c'est une putain de victime, exactement, dans cette vidéo. Ta gueule. Mais t'es violente en plus. Je t'ai jamais pu parler comme ça. Mais de ouf. Mais surtout, genre, tu sais, je le tue en mode tranquille, allez, salut. Tu viens de tuer Sora, putain, faut pas que Sora voit cette vidéo. Il va se méfier de toi. Mon apparence. Yes, enfin. Ouais, et si on fêtait ça? Ouais, carrément, il y a le corps de Sora. Une fois en boîte de nuit. D'accord. Et genre, on s'en fout, mais total. Mais attendez, Satan, c'est notre père, c'est pas possible. On a buté Sora, on a buté Sora, on a buté qui? Sora. Et oh my god. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bise. Non mais Andive, t'es possédé par le mal, c'est pas possible. Comment tu peux penser qu'on puisse faire du mal à Sora? Oh, punaise, vous êtes partie trop loin. Elles étaient excellentes quand même. J'adore, juste c'est magnifique. Comment vous nous représentez, totalement la façon dont on se comporte tous les jours. Ouais, je pensais pas que vous aviez cette image de nous, hein, à travers YouTube. Je joue à Amour Sucré, les amis, hein. J'avoue. Je suis pas là en train de jouer à des jeux où je tue tout le temps des gens. Ouais, mais ça se voit dans tes yeux, je pense. J'ai un regard aussi noir que ça, les amis. Non, franchement, elles étaient vraiment rigolotes, malheureusement. Vous êtes tellement nombreux à nous avoir envoyé des histoires que... Pff, franchement, on passerait une semaine si... s'il fallait toutes les faire, quoi. Ou sinon, une vidéo de 2 heures. Et encore 2 heures, t'es gentil. À mon avis, la vidéo ferait une semaine. Oui, oui, ouais. Ouais, voilà. C'est clairement ça. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Je pense qu'on ferait même une autre vidéo. Pas tout de suite, hein. Laissez-nous le temps. Vous avez bien vu, là, on a mis un mois, donc... Mais je pense que oui, c'est une possibilité qu'on refasse ce genre de petit concept parce que je trouve ça hyper drôle. Vous avez une imagination débordante. C'est juste un kiff, en fait, à voir ça. C'est très drôle et flippant en même temps. Ouais, c'est ça. C'est... Vous êtes... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous m'avez coupé les mots, les amis. Sur ce, ma petite Marie, ça m'a fait extrêmement plaisir que tu viennes sur la chaîne. Moi aussi, c'était trop bien. Ouais. Le début d'une grande lignée. Ouais, où je n'arrête pas de t'interrompre. Faut pas qu'on s'arrête là. Il faut pas... Non, faut surtout qu'on mette pas un an, surtout, c'est ça. Un an, est-ce que tu reviennes sur la chaîne? Moi, je sais, genre, si on prend plus de 1 mois ou 2 sans vidéo toutes les deux, faut que les abonnés, ils nous spamment en disant « Ah, Doom Spam !» Ouais, grave, spammez-nous sur Twitter ou sur YouTube ou sur nos réseaux sociaux pour qu'on... Parce que sinon, pour qu'on se bouge un petit peu le cucu, n'hésitez pas. Et en ce qui concerne Marie, dans quelques jours, elle aussi vous découvrira. Découvrira. Voilà. Vous découvrirez. J'arrive même plus à parler, putain. Ah, Marie faire vidéo comme moi sur sa chaîne bientôt. Voilà, toi comprendre comme ça. Voilà, ça va être très français. Moi, beaucoup aimé, appréciation. Voilà, très bien. Toi, si aimé, mettre pouce bleu. Et allez voir chaîne de Marie si toi pas connaître. Voilà. Sur ce, les amis, on vous fait des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut.